sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Team, ben voilà, fait une grande route quand même, presque 500 bornes. On a pris l'autoroute, il nous est arrivé une belle aventure. On est dans un super endroit. Un spot que j'ai vu sur Park4Night. Tu payes 10 euros, t'as l'électricité comprise, l'eau, ok, t'as pas de douche, t'as pas de sanitaire. Mais voilà, de ce côté-là, on est complètement autonome. La petite aventure qui nous est arrivée, c'est qu'on a décidé à un certain moment de prendre les péages parce que c'était un peu long par national. Je faisais à peine du 50 km/h de moyenne. Jenna retourne dans 2 jours, donc on voulait quand même faire une journée calme. Et donc c'était encore 2 jours faire de la route, c'était pas très sympa. On a pris l'autoroute. Petite surprise, c'est qu'on a su passer sans barrière, quoi. Et arrivé à la fin du péage, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont demandé 107 euros. Donc 107 euros. On a payé 40 euros de plus qu'on aurait dû payer parce que voilà, c'était pas indiqué qu'il fallait un ticket et tout ça. Donc ça, c'était la mauvaise mésaventure. C'est magnifique. Est-ce que ça a l'air d'un camion? Est-ce que ça a l'air d'un camion? Vous trouvez que ça a l'air d'un camion? Est-ce que ça a l'air d'un camion, chérie? Oui. Oui? Oui. Ok. Ben, on lui a acheté ça parce qu'elle était vraiment super sage tout le voyage, elle n'a pas bronché, donc elle oui, était... Oui, parce que j'en ai perdu 2, et en plus, ils ont même plus ces trucs-là. Voilà, donc voilà. Donc voilà, et la boulette a été vraiment super extra. Et donc voilà. J'en ai un autre, mais sauf qu'ils ont perdu ces trucs-là, c'est pas chouette parce que ça change pas de couleur. Ben voilà, mais là, ça change de couleur, comme ça, vous avez tout compris. Chérie, je peux continuer avec Toutim? Oui. Et donc voilà, on a pris l'autoroute, on a quand même roulé 6 heures. Il y a 1, 2, 3, 4 caravanes camping-car. Là-bas derrière moi, c'est un Hollandais, il est là pour tout l'hiver. Il travaille de son mobilhome pour son entreprise et passe l'hiver ici. Donc ben voilà, quand tu sais le faire, c'est vraiment top génial. Dans 2 jours, on va devoir se lever tôt pour aller conduire Jenna et la petite qui reprennent l'avion à Faro. Donc on est vraiment à 20 km de l'aéroport, 10 km de Faro. Et Jenna part, mais il y en a d'autres qui arrivent. Enfin, vous verrez quand ils arrivent. Je pense que ça va pas être triste. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, tout team. Ben, on se voit plus tard et nous, en tout cas, on va essayer de passer une très bonne soirée. Tu dis au revoir à tout team. Oui, qu'est-ce que tu leur souhaites? Ben... Oh, oui, pas cassé. Au revoir, tout team. Salut. Hello tout team, on est à San Barbara de Nex. En fait, on a fait du stop. On se dit soit dans un sens on va à Faro, soit dans l'autre sens on vient ici. Ben, la première voiture qui s'est arrêtée, c'est dans ce sens-ci. On est à une pharmacie parce qu'en fait Charlotte s'est fait piquer. Elle a l'œil tout gonflé. Donc on va voir ce que ça donne et on va faire un petit tour de la ville. Ce qu'il y a de sympa à voir. Et puis pourquoi pas, après on fera du stop jusqu'à Faro. On sait pas, c'est l'aventure. En tout cas, la dame super gentille, roule un peu vite, mais super gentille, qui nous a prise en voiture. On se voit plus tard tout de suite. Voilà tout team, dans le petit village, pas grand chose d'intéressant à faire, donc on a décidé de faire du stop pour aller jusqu'à Faro.
Ça ne nous a pas vraiment réussi du tout. Donc heureusement, il y a Uber qui fonctionne ici et on a utilisé Uber. Et donc on est à Faro, on va un petit peu visiter, boire un verre surtout, une bonne bière. Et puis voir s'il y a des belles choses à voir. Voilà, voir s'il y a des belles choses à voir. On va en tout cas regarder cette ville de plus près. Des sardines à l'huile d'olive et en fait t'as les dates personnalisées. Un magasin super magnifique. Donc ça se trouve à Faro, près du port. C'est juste extraordinaire. Long périple. On a bien mérité. Santé. Ah. Bon. Voilà tout team, on revient de Faro. Donc pour finir, on a fait du stop, mais franchement, ça n'a pas marché. Donc on a pris un Uber, on tombait sur un gars un peu bizarre quand même, vraiment. Enfin, on n'était pas vraiment content de la course, enfin, pas du tout. Enfin, il se faisait un plaisir à aller dans son nez, à aller chercher, décrocher des Molières, mais des bouts, hein, et puis les jeter par la fenêtre. Enfin, tu vois un peu le style, et qui roulait en collant le cul des voitures et mettant la musique à fond. Donc, c'était pas plaisant. Par contre, pour revenir, on a eu Eva, et là, franchement, ça s'est super bien passé, vraiment super top. Conduisait très bien, la voiture très propre, et tout à fait en ordre. Alors, concernant la visite de Faro, ben, mitigé. En tout cas, c'est notre avis. Ça ne concerne que nous. Donc, c'est par rapport à ce que nous, on a ressenti. Il faut pas en faire une règle. Mais voilà, nous, on n'a pas trop aimé. Il y a quelques belles choses. Mais voilà, on dirait que la ville est vraiment en mauvais état, mal entretenue. Voilà, ça nous a pas transcendé comme visite. Il y a quelques belles choses. Enfin, j'ai fait, j'espère, des belles images. Vous avez vu une super boutique avec les conserves de poissons. Mais voilà, les images, vous avez qu'à juger par vous-même. J'ai essayé de prendre les plus belles choses. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Bon, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est toujours bien de recevoir votre feedback afin de pouvoir m'améliorer. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, vous pouvez partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Voilà, à plus tard.